On a enfin battu ce connard qui nous a fait du mal à notre coéquipière. Mes parents trouvent là, il y a eu un gros faux truc qui s'est passé à l'OLP. Non, attends, c'est OLP ou OCP? Non, OCP. OCP. Et donc là, étant allé voir Oko, que ça trempe tout ce foin de nom de Dieu. C'est tout, c'est grave. Léo, c'est grave. On a un nouvel épisode. Je vois ma coupe noire, c'était. Et du coup, c'est parti. Avance au voir. Qu'est-ce que c'est encore ce grand bordel? Du coup, alors, à mon avis, je me dis que il faudra prendre l'ascenseur. Mais d'abord, attends, laisse-moi voir quand même voir s'il n'y a pas des choses par contre qui seraient traînées quelque part. À mon avis, non. Mais c'est clair que par contre, cette vision nocturne, je l'aurais jamais utilisée quand il fait sombre. Hein. Jamais, jamais. Mais attends quand même. Qu'est-ce qu'il y a par là? Laisse-moi regarder. Ah oui, carrément. Ça, à mon avis, ça tirait de partout et carrément, ça démolissait. C'est vraiment un bug, hein. C'est pas grave, ça fait un peu mal aux yeux. Bon, allez. Pas temps de continuer. Continuons. Ouais, bon. En gros, il n'y a plus qu'à monter pour l'ascenseur, c'est ça. Mais combien je sens par contre que, vu ce que c'est, si on prend l'ascenseur, au bout d'un moment, ça va chuter. Combien je parie? Attends, donc laisse-moi juste regarder. Mais à mon avis, non. C'est clair qu'il y a des pistes qu'on pourrait regarder, mais je vois pas trop l'intérêt, hein. Pas trop, pas trop. Mais attends. Alors comme regarder un peu. Non, non, rien du tout. Ok, j'ai vu quelque chose de chelou là, je sais pas pourquoi, mais. Bon, allez, prenons l'ascenseur et à mon avis, il faudra monter en haut, c'est ça? À mon avis, c'est ça. Appelons l'ascenseur. Et c'est parti. Trouble? That's right. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. On monte et c'est vachement haut, hein. Bon, on aurait pu tarder. Et normalement, on devrait plus tarder, hein. Et normalement, on est arrivé. Ok, ça a tiré partout. Et combien je parie qu'il va y avoir des ennemis dans la zone, hein? Combien je parie? Alors attends, laisse-moi comme regarder. Alors il dit que c'est quoi? C'est par ici? Mais d'abord, attends quand même. Attends, attends. Laisse-moi voir par là. Ouais, mais alors, donc c'est Bouzier. Le bâtiment a été défoncé, hein. Bon, écoutez, faut bien que nos impôts servent à quelque chose. Alors voyons voir quand même. Non, non. Ok, grosse porte ici, mais. Attends, attends. Il n'y a-t-il pas quelque chose par là? Parce que normalement, c'est là, normalement, il y a un peu normalement, une sorte de. La scène finale du premier, au carrément suite à la révélation, et bah carrément, le troisième engrenage a été déverrouillé et pouvait éliminer le gars. Ah oui, mais carrément, il était défoncé, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On entre? On entre. Ah oui, c'est démoli, ça faisait. Enfin, c'est tiré de partout. Bah tiens. Il y a un hélico de news. Robert de Festinière. Qui sont par là? Non mais, dégage ton hélico ici. Y a rien à voir par là. Et, ah non, attends. C'est notre ami? Oui, c'est notre ami. Bah attends, laisse-moi encore regarder. Et donc là, là, c'est la maquette. La maquette, la maquette. Non, rien du tout. Et ensuite, bof, bof. Allez. Entre au voir. Et donc, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour, hein. Voyons voir. Et ils disent que c'est apparemment par là. Que c'est ici. Alors, il me dit que c'est ici, mais. Est-ce que ça ne se retrouverait pas dans à celui auquel je pense? Sûrement, sûrement. Mais d'abord, attends quand même. Attends, attends. Est-ce que. À mon avis, c'est un couloir que j'ai déjà visité. Oui, j'ai déjà surveillé.
Donc allons voir l'autre couloir qui sont de l'autre côté. Et donc à mon avis, est-ce que c'est celle auxquelles je pense? À mon avis, c'est celles qui sont par là. Je suis sûr à 100%. Est-ce moi ou ça sent le mauvais pressentiment? Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un ED-209 qui va être dans ce couloir? Ou est-ce que carrément par là, il va y avoir des tas d'ennemis? Parce qu'à mon avis, il y a un truc comme ceci, il faudra s'attendre au pire. J'entends un drôle de bruit là. Ouais, je reste prudent et combien je parie que c'est derrière cette porte totalement cassée. Bon, est-ce qu'on est prêt? Allons-y alors. Comment je parie que c'est un ennemi? What do you want from me? RoboCop, my number one guy. There seems to be a misunderstanding. RoboCop, I wanted to leave you a message before I undergo this procedure. It has been a long and laborious process, but it has given me the opportunity to observe you closely. The old man! That you! I didn't know! I didn't mean to! Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on. And it is because they can look past your metal exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. That puts my mind at ease. You made me realize that I do not have to fear what is about to happen. I can remain human, as you have. Selfless and devoted to something bigger than myself. Uncorruptible. And that is what I always strive to be, Doc Murphy. I cannot wait to see what the future has in store for us. You sold the city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep? Just an old friend. Wow. Attends, calmons-nous deux secondes pour comprendre ce qui vient de se passer. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Alors attends, donc en gros, tu veux dire que ce robot qu'on a vu qui était à l'expo de Détroit que j'entends de me rappeler, par contre, celui par contre qui était en chaise roulante et qui était malheureusement un peu mort, il s'est racadé dans cette machine et donc c'est lui notre ennemi de base. Parce que moi j'aime bien l'argent. Mais attends, j'essaie de comprendre, c'est que si c'est lui notre ennemi de base, qu'est-ce que Wallen donc se foutait à l'intérieur de lui? Enfin, qu'est-ce qu'il foutait alors dans toute cette histoire? Est-ce que c'était un peu une sorte de méchant secondaire que tu pensais l'être, mais qui au final, en fait, c'était plus une sorte de méchant ragard tout ça, et qu'en fait, le vrai ennemi, c'est dans cette boîte de conserve? Il nous faut quelque chose de plus. Si tu dis que selon moi, c'est lui par an le boss final du jeu, bah c'est-à-dire que là, on est dans l'épisode final. Hein. Bon, très bien. Par an, je sens que je vais en chier les cacahuètes, et donc c'est parti pour le... Bah, pour le défoncer. Allez, dans 3, 2, 1, fight! Ok, c'est parti pour le défoncer, mais je sens qu'il va être ultra relou. Allez, défonce. Ok, donc là, carrément. Ok, recule. Allez, recharge. Ah, mais reste pas planté là, par contre. Ok, attention. Allez, défonce. Recharge. Défonce.
Reste pas planté là, vite. Alors attends, recharge. Du soin. Ok, il a cassé mon ordi celui-là. Ok, donc là c'est un adversaire comme ceci. Et le but, il faudra essayer de toucher. Bon, allez vite, je tombe. Vite, 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 allez. Hop là. Ok, c'est lui qui est descendu aussi. Ok, attention. Ok, j'ai pas pris d'âme sur moi là, littéralement. Ok, mais là il va me défoncer. Pardon, vite. Attends, recharge, recharge, recharge. Passe à côté. Ok, mais. Ok, on va descendre d'étage en étage, hein. Mais il va se calmer. Mais il va se calmer celui-là. Ok, le truc là, c'est qu'il faudra essayer de tirer sur ce truc. Le truc, c'est comment veux-tu que j'essaie de tirer dessus? Si, toujours à chaque fois devant moi. You will not win this. Alors, ok, on a fait une putain de chute de plusieurs étages, on est maintenant dans le parking. Ce qui fait qu'en gros, donc on a fait dans la première phase qui se trouve un peu dans les bureaux, mais qui était très, mais c'était 8 clous, enfin plutôt les 12 clous plutôt. Et ensuite, on est descendu, je reviens entre 1, 2, 3, 4, limite 5 étages. Et donc, normalement, là, on a donc descendu sa barre de vie qui est de moitié, peut-être un petit tiers s'il faut. Mais on l'a bien descendu, et donc maintenant, on est parti pour faire la deuxième phase qui se trouve maintenant, cette fois-ci, dans le parking. Mais par contre, je sens que... Ok, donc faut vraiment tirer par exemple sur le truc de nucléaire, mais je sens que vu que tu vises mal par contre, enfin vu que je vise mal, ça va être une grosse partie de plaisir. Allez, on reprend dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, hop. Allez, vite. Dégage. Ok, voilà, il m'a fait putain de bobo. Hop. Vite. Allez, hop. Oh, attention, il a foncé. Voilà. Voilà, hop. Moi, je choisis un peu ça. Et ok. Bon, mais ça va pas être une partie plaisir, celui-là. Hop. Allez. T'es bientôt mort, du con. Ok, attention. Décale-toi sur le côté. Une recharge. Non, vite. Ouh, moi. Vite, vite. Non, prends. Attention. Hop. Ok, donc là, c'est un peu le double. Bon, attention. Il vient vers moi, par contre. Aïe. Ah non. Arrête. Bon, ok, là je me suis rechargé un peu sans faire exprès. Alors, attention, décale-toi sur le côté. Le côté. Ok, décale-toi encore sur le côté. Et attends, et si je vais le faire foncer dans la camionnette? Vas-y. Hop. Aïe. Non mais je peux pas lui foutre de coups, hein. Aïe. Oui. Vite, recharge. Bon, attends. Hop. Cours-en un peu. Cours. Hop. Ok.
Ok, viens. Ah non, mais carrément, celui-là, il te lâche pas, hein. Ok, attention, recharge. Et... tiens, mange-toi ça. Attention, il fonce, là. Je sais pas que c'est à côté. Voyez donc, ce boss, il va être chiant, hein. Attention, décale-toi bien, voilà. Bon, vite, moto, 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 moto. Hop! Alors, attention, il fonce. Vite, recharge, recharge. Ok, et là on est parti donc pour faire la troisième phase. Donc, ok, donc c'est un peu chouette. Alors, c'est pas un boss qui vient de Dark Souls, mais c'est vraiment le truc du boss là où c'est, tu vois, sa première phase, la deuxième, et donc normalement c'est là, c'est la troisième et limite dernière, si je peux dire. Hein, puisque là, carrément, on a perdu toute sa barre de vie, mais je sens vraiment que je vais en chier du cul. Mais bon, je me dis que par contre, si tu meurs, si je meurs, par contre, je dois tout me refaire du boss. Donc là, carrément, ça va être casse-couille. Hein. Casse-couille, casse-couille. Mais bon, au moins, j'ai bien tenu, c'est la moindre des choses. Allez, on est parti pour 3, 2, 1, continuons. Ouh, lance-patate. Eh, goûte-moi ça un peu. Voilà, alors bah, attention. Ouch. Ah putain, il m'a eu. Il m'a eu. Aïe, 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 aïe. Putain, il fonce. Ah, pas envie de recharge, recharge. Et ok, la reine est tout petit. Tout petit, petit, petit. Alors, attention, vite. Ah, moi, moi, moi. Ah non, c'est celle qui est vide. Non, y'a pas d'autres armes, donc du coup... hop. Voilà. Alors, attends. Ok, du soin, du soin, du soin, j'ai vu du soin. À moi, merci. Oui, on se fait comme une recharge, là. Allez, t'es mort du con. Tu es mort. Voilà. Et, ah, il m'a chopé. Il m'a chopé. Allez, hop, une recharge, là. Allez, t'es mort du con. Meurs, saloperie de machine. Murphy, you need to get out of there. It's about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. Le sauver, le laisser mourir, le tuer. Alors là, j'avoue qu'il y a genre beaucoup de choix qui se fait, mais au moins on l'a battu. Attends, le sauver. Alors non, je vois pas l'intérêt parce que sinon c'est retry. Le laisser mourir carrément, voilà. Mais non. Vaut mieux prendre abrégé souffrance. Du coup, on va le tuer.
anything. Move closer. Negative. When the building collapses, the dust cloud will choke the engine. Oh my God! Murphy! No! 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 Wait! I see something! Is that him? Talk to me! Another week passed since the OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. We at Media Break welcome them with open arms. Deruta Shiti Yokoso! From the City of Wonders, we're back to Detroit. John Mills goes down in the history of the city as its shortest-serving mayor, excluding premature death. He offered his resignation on his very first day of office. According to a reliable source, Mills expressed, and I quote, "I did not sign up to run this dump." Are the new elections ahead of us, and has the city recovered after the previous ones? Now it's time to introduce a new segment, You the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. An escaped python terrorizing the local neighborhood has been reunited with its owners. But that wasn't the only thing that was returned. X-ray of the reptile's insides has shown the stolen watches together with the remains of the thief himself. Pickles, a local addict, was so intoxicated with nuke that the drug was absorbed by the python, which explains its bizarre behavior. Isn't that food for thought? Next up, Sunblock 5000 model nearly torn to pieces by an ED 209 after not adhering to the 209's instructions. The dispute over a parking space could have turned deadly if it wasn't for Dr. Olivia Blanche, a seasoned psychologist who managed to keep a cool head during the 209's intervention. Dr. Blanche's new book, Coping with Loss, is said to be of value to both people and machines alike. A defamed reporter funded by terrorists, after trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP, Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman known in the underworld as Bertha. OCP denied... We're sorry for the disturbance. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1,000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on. The owner of a local restaurant, Onion Bhaji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? We've been informed that due to Mayor Mills' resignation, the matter will not be pursued by his office. RoboCop's efforts have prompted a public conversation. I hope OCP doesn't take him off the street. Who will protect us then? Ah! It's RoboCop! Robo, I love you! Pure pandemonium. To many more years on the force, RoboCop. It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting.
as police end their strike. "We're ready to serve," said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. The question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Bon, bah là, carrément, j'ai envie de dire un truc, c'est on a fini Robocop Rock City. Liberté! Ouais, c'est pas encore fini, hein. Parce que là, ce que je me dis, c'est qu'on a réussi à finir le jeu, si carrément est une victoire. Mais par contre, je crois bien que je me demande qu'est-ce qui se passe, par contre, je veux dire, en termes du post-game. Bon, alors, c'est l'heure donc de faire le point bilan. Alors, qu'est-ce que je vais dire dessus? Bah, c'est que par contre, après avoir donc fait, par contre, j'avoue, Cyberpunk 2077, ou plutôt Cyberpunk 2075, qui je rappelle est dans le même principe de Robocop dans son gameplay, ou si c'est un jeu en. Attends, c'est FPS ou TPS? Non, FPS là, parce que. Parce que c'est vraiment genre là où c'est au niveau du regard. Troisième personne, c'est si la caméra elle est derrière toi. Non, bah, j'avoue que ce retour en gameplay à la manière d'un Call of Duty ou d'un Battlefield, bah, c'est pas mon genre de gameplay, j'avoue. Vraiment, je suis pas quelqu'un genre qui est un grand tireur. Mais en revanche, par contre, je suis assez surpris carrément pour ce jeu. Et j'avoue, c'est une excellente et bonne découverte. Mais sûr que j'ai en train d'y penser. Mais par contre, si tu fais par exemple le point où est sorti par exemple normalement cet épisode, normalement c'est déjà le premier anniversaire du jeu en soi. Oui, le premier anniversaire du jeu. Et carrément, j'avoue que vraiment c'est une bonne surprise pour un jeu Robocop. Parce qu'il y a bien apparemment où le dernier jeu Robocop qui est sorti, c'est sur Titus, que d'ailleurs JDG a fait un JDG dessus. Bah, j'avoue par exemple que celui-là est franchement quali pour un double A. Parce que si tu mets à côté les triple A qui sont assez blockbuster mais qui sont très. Genre vierge, lycée et tout, enfin, ce côté où tout se ressemble. Alors que celui-là, pourtant, il a vraiment un côté vraiment, vraiment quali, où il y a un peu ce mélange, où il y a un peu ce côté open world, couloir, mais par contre, l'univers de Robocop est bien remis. Hein. Il y a bien des refs, par contre, j'ai trouvé ça dans le premier film, mais j'ai pas vu le 2 et le 3. Mais après, de manière générale, pour finir, ben, non, franchement, j'avoue, je me suis bien réglé dessus, franchement. Pour moi, c'est mon deuxième jeu de 2023 après Pikmin 4. Qui par contre est mon tout premier et que par contre je l'ai fait pendant sa sortie. Celui-là par contre je l'ai fait par contre, je remets entre 5 plutôt 6 mois après la sortie donc de Robocop Rock City. Et franchement je trouve vraiment que ce jeu est une bonne surprise pour ma part. Alors je garantis pas que je ferai par exemple d'autres jeux de ce type de gameplay, en gros un FPS, mais pourtant j'ai bien pourtant genre un ou limite 2 Call of Duty que j'ai dans ma tête, mais je sais pas trop si je pourrais vraiment me les faire ou c'est vraiment un gameplay qui est plus à moi, parce que moi je suis plus genre entre action platformer et course de voiture. Ouais, et donc, qu'en dire d'autre? Bah non, franchement, hein. C'est une bonne surprise ce jeu, hein. Vraiment un bon putain de régal, hein. Franchement, pour moi ce jeu, c'est mon deuxième jeu préféré de 2023, hein. Et franchement, c'est une réussite totale. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a par exemple, je veux dire, dans le post-game du jeu? Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Et on revient ici. T'es sérieux? Ok, t'as les crédits et tout, mais attends. Attends donc. Nouvelle compagne principale, charge de la partie, New Game Plus, ok. Alors attends, laisse-moi comprendre. Si je fais continuer, ça me ramène où par contre? Ça me ramène à nos boss? Attends. On va quand même regarder pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. You give us 3 minutes and we give you the world. Good evening. I'm Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is... J'ai l'impression d'avoir déjà eu systématique quelque part, mais du coup... Est-ce que par contre, c'est en gros une sorte de New Game Plus, je me trompe? Oui, et donc... Good to see you, Murphy. Ouais, en gros, c'est un peu une sorte de New Game Plus, je me trompe. Mais attends... Si je regarde, objectif, ah, ok, j'ai tous mes trucs qui sont là, bon, en même temps, voilà, et, encore, mais pourquoi les compétences sont rechargées? Non, mais les mecs! Attends, tu te fous de ma gueule, là, en gros, c'est sur de New Game Plus, et... ah non, mais attends, j'ai 43 de points de compétences, ah bah attends,
On va les mettre là. Hop, hop, hop. On va les mettre aussi dans vitalité. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ingénierie? Je crois qu'on peut plutôt mettre ça dans combat, ce qu'on avait prévu. Et je remets, c'est en... non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je remets, c'est plus dans déduction que j'ai mis à fond. Attends, je peux mettre au fond. Ouais. Hop. Et pour le septième, je remets, j'ai mis ça dans... non, ça c'est état mental. Alors ça c'est scannage. Alors ça c'est plutôt du focus. Ingénierie. Ouais, c'était celui-là. Voilà, et pour finir, le petit dernier, je l'avais mis où par contre? Alors, aucune idée. Où est-ce que je peux mettre ce petit dernier? Bon, tiens, on met dans focus. Ok, en gros, ça te recharge au moins les compétences. Donc, ouf. Mais, donc en gros, en fait, c'est quoi en fait le truc? C'est en gros, tu fais sorte de New Game Plus, mais t'as les ennemis qui sont de plus en plus forts. Ok, alors attends. Donc là, on va retourner. On va retourner. Voilà. Ok, en gros, c'est une sorte de New Game Plus. Mais du coup, c'est quoi le truc? En gros, t'as continué, c'est tu refais une nouvelle partie. Charger partie, c'est carrément si tu veux revenir, c'est ça? Sauvegarde automatique, quartier général de l'OCP, Météo West, sauvegarde automatique. Ah, t'as tout ceci. Oui, donc c'est garni. Alors, nouvelle compa de proximité, si tu veux refaire, ok. Et sinon, t'as une nouvelle partie plus, donc ok. Et donc là, les crédits, si jamais, si tu veux au coup, revoir par entre les ceux qui ont bossé sur le jeu. Et sinon, t'as le truc des options. Le truc des options, alors juste que je regarde. Attends, je crois que c'est dans vidéo. Oui, ok. Audio, d'accord. Gameplay. D'accord. Et là, t'as tous les trucs ici. Mais attends une minute. Alors, à part de reprendre version classique. Ah, version pistolet. Oh, Gold Vision. Ça va être marrant ça. Mais attends une minute. Il n'y avait pas un truc normalement, il y avait un boss streamer. Attends, il est où? Il est où? Réduction. Attends, streamer, il est où? J'ai dû le voir quelque part. Alors, non, il est pas par là. Peut-être dans audio. Ah oui, il est là. Attends. Si je mets off, c'est activé. Sinon, si je mets on, c'est désactivé. Non, attends. On, c'est activé. Off, c'est désactivé. Ok. Et donc, du coup... Non, ok. On va faire ok. Et donc en gros, bah voilà. J'ai fini Robocop Rock City. Victory! Allez, je mets ça pour le coup. Bah non, franchement, pour moi, je sais pas quelle note je lui mettrais, mais si vous êtes fan de Robocop, ce jeu est carrément fait pour vous, pour vous régaler dessus. Mais après, j'avoue vraiment que pour un double A, franchement, il est plutôt assez correct, quali, mais au moins il est fun. Il est fun. Et je trouve que carrément, non. Pour moi, c'est une réussite. Alors, par contre, attention. Alors, si pourtant on a fini totalement le jeu, je voudrais quand même, par contre, de faire, par exemple, je vais dire un petit extra 1 pour la partie best-of. Parce que je sens quand même qu'il y a eu des choses et des trucs par-ci par-là qui se sont déroulés. Et non, franchement, voilà. J'ai fini Robocop Rock City. Non, mais attends, si tu veux vraiment continuer, en gros, c'est tu continues, en gros, enfin, tu recommences une nouvelle partie. Charger, voilà, nouvelle campagne, ouais. Non, franchement, pour moi, voilà, avec Reddit, c'est tout si. Ok, bon. Allez. C'est la fin de cet épisode donc sur Robocop Rock City. Like, comment, partage, abonne-toi, clique cloche, Instagram, Twitter, TikTok. Bon, moi, je dis c'est tchuss. Et donc, du coup, on a fait le mec. Robocop Rock City. Parce que c'est ma pollution, on l'appelle Robocop. 50% humain, 50% machine, 100% flic. Allez, moi, je vous dis une chose, c'est tchuss.